Oh putain, il y a un bouteille. Et là, la science, elle descend pas. Bon marché, président. Je reviens après, mes amis. Ah ouais, c'est un président. Ouais, là, ça descend pas, Cazo. Putain, je perds le chargé. T'as cassé? Ouais, elle a cassé la rêve. Ah mais là, mais t'as vu comment tu roules aussi? T'as vu le pilote? Mais non, mais là tu mets un bloc partout, c'était sûr, ça allait casser. Allez, bah. Fais chier, là. Ah, tu roulais super bien. Oh, il ravitaille là-bas, le 22. Où ça? Là-bas, c'est le 22, c'est Morel, avec son. Ah, on peut aller voir, C'était chaud. Comme dans les grandes années. Ça c'est beau. C'est 2,5. Ça c'est beau. Quelle technique. Elle a maintenant la couleur du pot, les gars. Alors, là ça chauffe. Il semble avoir quelques difficultés. C'est magnifique. Arrière de cadre, VRP. Ouais, VRP. Avec le petit Olin, ce qui va bien. Réservoir en aluminium. Ah là là, ouais, elle est belle. Mazette, elle est belle. En 20 minutes, hein, du Il y a du matos là-dessus, hein. Elle est super, hein. Il y a du matos. Hein. Grosse puissance, ça va bien ou quoi? Mieux que le pilote. Mieux que le pilote, non? Il y a du matos là-dessus. Elle est belle, hein, Badou? Ouais, quand t'avais pas mal. Petit silencieux pour le circuit. Non, c'est top. Oh merde. C'est pas grave, c'est pas grave, mon ami. C'est, pas... c'est pour les anciens, comme on dit. T'as cassé les hauts bouchons. Bon, allez, tout roule bien. Plaisir. Vous venez d'où? Ouais, t'es belle, sa petite serre. D'où ça tu viens? Des Ardennes. Belgique. Vive les Belges. Allez, vive le roi alors. Ils ne savent pas te couillonner, hein. Moi je parle belge couramment, hein. J'ai appris avec des bourses. Et André, tu veux faire des likes sur YouTube, on va nous faire ça. Ah ouais, tu ne me dis pas ce qu'il faut faire, hein. C'est pas c'est possible. Toujours sans musique. J'en ai marre de me balader avec lui, j'en ai marre. Il fait plus le spectacle que moi, non mais hey, je suis obligé de me le coltiner, l'ancien. Ah, un sketch, un putain de sketch. Bon les gars, là c'est très calme dans les stands, il n'y a plus rien. Je pense que ceux... Il y a beaucoup de pilotes qui vont entrer vers 45 minutes parce que 45-50 minutes parce qu'ils ont mis des très gros réservoirs. Tout ce qui est des réservoirs de 15 litres, ils vont pas fumer ça en une demi-heure. Donc à moins qu'ils aient mis 6 litres pour partir au début de la course, ils vont rentrer maintenant. Là on est à peu près à 45 minutes de course. 40-45. Je regarde un peu devant. C'est calme. En tout cas, c'est magnifique. On a vu rentrer une petite serre, on va aller voir la petite serre. Qu'est-ce qu'il vient de rentrer? Putain, ça a l'air. Si on vient, là, on monte. Ah, ça a l'air. Je suis SPV. Ouais, là, pas mort, là. Gros, t'es 13. Allez, gaz! T'es 13, gros. Ah, mais ouais, mais je l'ai reconnu! Putain, t'as intérêt à tourner la première! Allez, 13, gros, vas-y! Ça, j'arrive dans les stands, mes amis! C'est bon, on peut replanter les poireaux! Il y en a partout. Mais t'as des stands, c'est un truc de fou. Le ravitaillement des Honda fait par que des bousons Yamaha. Oui. Moi, ça m'excite. Ça m'excite grave. C'est bon. Mais il n'y avait pas de sensorium à cette époque, c'est pour ça. Pas nous ferme là, je vais avoir des problèmes. Ah, le sketch. J'en peux plus de le trimballer partout. Je crois que je vais essayer de le semer dans les stands, le Badou. Un sketch. Ouf. Mais on kiffe, c'est ça le plus important. Gardez ça dans les bois, les gars. Attention, Kawa, de ce attention, la grosse attaque, c'est pas ce que c'est, la grosse attaque. La traîne, là, il y a une bombe écartée.
Ceux qui sont encore en lice, en fait, ils sont loin d'être poivres. C'est la 2,5 CR pic pro circuit que j'ai filmé tout à l'heure. Le mec il me dit ouais, la moteur va mieux que le pilote il va bien aussi, tu vois. Mais ça roule quand même, pas nous. Non, ça c'est qui? Non, non, ça c'est le. Le gérant du Dafi, du gaz. Je me souviens plus de son nom, bordel. Mais du gaz. Ça, il me semble que ça va être par Usbourguin. Là, là, lui, il a lâché une petite perle dans son caleçon. Je vous le dis, mais... Ah, vitesse. Pas montage à l'ancienne, les gars. Et voilà, c'est arrivé. Donc là, on a Monsieur Denis. Ah, pardon, lui, attention, allez. Gaz à l'ancienne. Ils sont là, les anciens. Ah, c'est bon, ça. Gaz. Oh, les gars. Ah les gars, ça sent super bon. Ah ça... ouais, on va y aller. Ah Félix. Pauvre moto les gars. Bon, on va essayer d'aller interviewer Anthony Denis. Let's go. Attention, attention. Monsieur Denis, vos impressions? Dur, dur, au vieux-y. Tu crois que tu fais dans les 5, 10? Non, je crois que je fais 7, mais... mon gamin me dit reste 3 tours, en fait, il en reste des 4. Donc, non, c'est tout, on a fini, c'est bon. Mais j'ai pas réussi à rouler tout seul. Les bras en béton dès le départ. Bon, alors ce monsieur, pour ceux qui le connaissent pas, dans les années 90, mettait du très gros gaz. Quand je vous dis du très gros gaz, c'est qu'il a roulé devant Eric Goebbels, etc. Donc, mettez du gaz. Hein. Tout le monde est en train de rentrer, les gars. J'en prends plein les yeux et plein les oreilles. Regardez. Je pense que je vais aller me balader dans le stand histoire de trouver les plus belles motos. Qu'est-ce que tu disais, Malou? C'est un petit 50. Regarde, c'est un vrai petit 50. Oh, c'est un 50 cm cube. C'est pas une 500, c'est un 50. Ah, le sketch. Et d'ailleurs, c'est marqué 50. Bon, du coup, on a un peu plus de temps pour la regarder. Regardez-moi ce beau réservoir en aluminium. Super. Ah non, mais il est pas brûlé. Après, vous voyez, ça fait bien, mais... Ça laisse à désirer. Hein. Ça laisse à dire. Amortir du mot d'épée. Ah, c'est beau. T'as vu le silencieux? J'ai pas tiré. Silencieux bien long, c'est une barre de curling quasiment. Il est passé. Il est bien. Il est bien. T'as vu la pompe à eau orange fluo, c'est excellent. La pompe à eau orange fluo. Qu'est-ce que tu cherches, toi? Qu'est-ce que tu analyses? Rien du tout, j'analyse pas. Le pilote, il s'est tourné la poignée, ça change rien. De toute façon, t'as pas les pièces pour la mettre. Voilà. T'as pas les mêmes pièces. Ça, c'est le monde du vintage. Les mecs, ils se disent, ouais, ça a la cool et tout. Tu parles, les mecs, ils te filent pas leurs infos, tu sais. T'apprends X années après qu'il fallait mettre telle pièce, de telle année, de telle machin. Que de la pièce d'origine, déjà. Voilà, que de la pièce d'origine. Que de la pièce d'origine. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Bon, ah, si, plusieurs années. Ah ouais, t'as la même merde que toi. Mais il y en a qui stockent. Ils savent pas faire les réservoirs. On va essayer d'aller trouver d'autres 500 les gars, avant que les motos soient montées dans le camion. Bon les gars, j'en ai trouvé 2-3 des 500 CR. Bon, je vais essayer de trouver d'autres choses que des Honda après, où les mecs ils vont encore dire « Ah, j'ai eu !» Regardez ça. «
C'est bon, il y a une deuxième là, il y a une deuxième là, bougez pas. Je vous y amène. Regardez ça. C'était bon, hein. Avec comme un grape. Tiens, il y a une petite échappe. Regarde, ça va. Et regarde, on va essayer de voir s'il y a autre chose au-dessus. Je vois d'autres 500 là-bas. Regardez tous les 500. Regarde. Ouais. Attends, ça comme c'est beau. Ouais. On va voir ça là, avant le piquet là. Il y en a encore une. Ouais. Il y a un samedi soir à la maison, et là ça y est. Moi aussi je l'ai vu une doublée. Ah, regardez, belle aussi. Ah, bah non, mais là, attention, les gars. Là, il y a de la moto, il y a de la belle moto. Il y a surtout des pilotes. Oh là là, tout de suite. Je vais aller voir les classements pour vérifier. Alors, il y avait des pilotes, maintenant il reste que les motos. Ah, elles sont belles. Elles sont pas en panne. Tu roules pas, toi? Je devais. Ça y est, ils me demandent tous. Ne parlez pas de ça, les gars, je veux pas être bien. Je roule demain, je suis pas bien là-dessus. Ah, c'est super. Ouais, je me suis éclaté. Bah, je vais aller au vintage, les gars. On va se voir au vintage. Les gars, j'ai un truc à vous montrer. J'en ai vu des mecs qui ont envoyé du lourd en vintage mode, mais là, attention, regardez. Est-ce que c'est pas la classe, allez ? Est-ce que c'est pas une scurie, cette histoire ? Jean Porsche, mes amis, Jean Porsche. C'est une base de... Rando à César, ce qui est à César. C'est une base de quoi, mon ami? Un combi VV. 76. Alors là, je joue vintage ou on la joue pas vintage, hein? Ah, bah là, mon gars, là, c'est vintage jusqu'au bout. Un bloc, c'est bon, ça. Regardez la gueule que ça. Et ça fait un bruit. Ah, c'est le feu. T'as plus qu'à venir au Touquet, mon gamin. Putain, l'année prochaine. Cette année, c'est baisé, l'année prochaine. Mais je vais venir. Vous l'avez entendu, si jamais il vient à prendre, il est sa tête.